Bonjour mon capitaine, bonjour à tous et à toutes. Bon, petite rando aujourd'hui, on est en semaine, hein. Je profite d'une semaine de congé pour aller m'entraîner un petit peu. Alors pour faire suite à la reprise de l'entraînement que j'ai commencé il y a une quinzaine de jours et avec la belle sortie qu'on a fait la semaine dernière, aujourd'hui je vais essayer d'aller chercher un petit peu de D+. Je vais partir sur l'os, certainement sur les crêtes de l'Artois, Notre-Dame de Lorette, Vimy, etc. Je pense pas que je vais prendre spécialement de single, parce que ça fait deux jours qu'il pleut et j'ai pas trop envie d'aller dans la boue. Plutôt prendre du chemin roulant, mais juste histoire de faire un peu de dénivelé pour dire de continuer la reprise. Et voilà. Et on verra ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, je vous avoue que il fait un vent de ma boule. Ça va peut-être modifier un peu mes plans. Parce qu'il y a au moins 50 km/h. Là, je suis un peu à l'abri. Je pensais pas que c'était aussi fort que ça, le vent. Et il fait pas super chaud. Il fait pas froid non plus, mais obligé de remettre la veste. Même si je suis resté en cours. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais battre des records de vitesse. Mais c'est pas le but. Première ascension. On va garder le cardio au calme. Enfin, quand je dis au calme, tout est relatif. Il s'emballe déjà. Mais on va essayer de le réguler. Bon, la première a été dure, hein. Avec le vent. Pouah. J'ai bien souffert. Allez. On continue. Je vais faire le tour du plateau. On va descendre. Ah, dans le dos, tiens, ça fait du bien. Allez, un petit coup de paysage de l'autre côté. On s'en lasse pas, hein. Compliqué, ça. Et on passe. Allez, single en bois d'éthérie. En mode tranquille. Parce que le terri dans le vent, je l'ai senti passer. Hein. Là, je suis à l'abri. C'est du bien. Ça permet de récupérer. De faire redescendre le petit peu le cardio. Même si c'est joueur. Et ça, il doit rester soft. C'est pas évident, hein, on a envie d'y aller. Hein. On a envie de taper dedans. Mais non, justement, c'est ce que je veux éviter. Direction avec Snoulette. En passant par les châteaux d'Olievin. Putain, ça souffle. Hein. Oh là là. Je sais pas si ça s'entend à la cam parce qu'il y a la mousse. Mais ça souffle. Hein. Allez. Difficulté numéro 2. La montée de Aix. Elle pique aussi celle-là. Hein. Bon, c'est pas trop beau. Hein. Donc ça va.
quand même super agréable. C'est beau, c'est beau. Et normalement, si je me suis pas trompé, je rejoins le Véloroute numéro 5. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon, disait Jacques. Oh, elle est bonne. Jacques tout bon. Oh, mais il est là-bas, mon âne. Pétro. C'est Pétro, l'âne. Il a ralenti la chute des chevaux. Difficulté numéro 3. La montée des vaches. Je crois que je vais l'avoir vent dans la gueule. Elle va piquer. Je confirme. Elle pique fort. Avec ce bon petit vent dans le nez. Oh putain. Magnifique. Bon, j'ai fait une petite pause au milieu pour profiter de cette vue. Non, c'est pas vrai, c'est parce que je suis mort. Fallait que je reprenne mon souffle. Parce que vent dans le nez, d'habitude je la passe, pas trop de problème. Bon, elle est dure. Hein. Mais là, le vent dans le nez, là, sur la deuxième partie, la partie la plus pentue, non, c'est pas possible. Bon, j'ai été obligé de faire le tour. La voie arrière est fermée. Avec marqué risque d'explosion. Comme j'ai pas trop envie de me faire péter le caisson. Allez, on descend. Je me méfie parce que s'il y a des bagnoles en face. Oui, c'est dans ce superbe décor que je vais vous manger une bière. Souffle un coup. Je voulais aller jusqu'au Vimy. Mais avec le vent que je vais encore avoir en retour, je préfère me méfier. Donc je vais me mettre sur le retour. Par contre, je vais repasser par Lorette pour essayer d'atteindre mon objectif. Passer par cette voie là, celle que je viens de descendre, et puis ça ira, et puis après on va rentrer tranquille, toujours avec du dénivelé. À tout à l'heure. On enchaîne tout de suite sur la difficulté numéro 4. Allez, Jaco. Allez. Sois guerrier un peu. Oh, j'ai mis 50. Hein. Allez. Je vais dire bonjour au lama. Salut Serge. Serge Lama. Oh, putain. On m'a tué. Elle dure celle-là. Hein. C'est ce que j'étais venu chercher. Je suis pas venu pour rien. Je refais un passage. Cette fois-ci, je pars du café du Ch'ti. C'est moins pentu, plus régulier. Mais cette fois-ci, vent dans le nez.
Putain, malgré que c'est pas pentu, avec le vent c'est violent. Très violent. Allez Choco, tu y es presque. Jusqu'au bout mon nana. Si après tout ça je reviens pas en forme, je comprends pas pourquoi. Parce que là, je fais ce qu'il faut. J'essaye de manger plus sainement. Je m'entraîne. Là, si ça marche pas, je me mets à la natation. Ça. Allez, retour dans la forêt pour redescendre sur Aix-Noulette. Ça fait du bien un petit peu. En plus, ça va, il n'y a pas trop de boue, donc c'est cool. J'ai pas chaud, hein, putain. Si j'avais su, j'aurais mis le long quand même. C'est ça aussi que j'ai du mal à monter, hein, les muscles ont du mal à chauffer. Alors, viens faire toi-même le mélange des couleurs dans la cabane du pêcheur. Bon, déjà 500 des plus. C'est pas mal. Sur 34 km, c'est déjà bien. Bon, on verra ce que ça donne à l'arrivée. Normalement, je n'ai plus de grosses difficultés. C'est vraiment pour avoir un chiffre rond, hein. Parce que j'ai pas envie, hein. Bon, il me reste 40-50 mètres, mais c'est les 50 mètres de trop pour aujourd'hui. Donc là, merde, 50 mètres je l'ai fait, rien à foutre. Jusqu'au bout, Choco, jusqu'au bout. Allez, 30 mètres. Oui. Yes. Wouhou. Ah yes. Je pensais pas y arriver. Retour par le pont au-dessus du pont. C'est con à dire. Le pont au-dessus du pont. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'exercice, mais certainement que oui. Mais je trouve que le faire tout seul, et pas forcément en groupe, voilà, de se battre un petit peu contre soi-même, hein, c'est encore plus gratifiant. Je pense que je vais avoir mal aux cuisseaux pendant quelques jours. Mais au moins, j'aurais fait un bon travail aujourd'hui. Je suis très content. Oh, je vais tenter par là, tiens. J'avais dit que j'allais pas prendre de single, mais je peux pas m'en empêcher. Allez, tenter par ici. Remarque, c'est pas dur, c'est tout droit. Ça me conforte dans mon objectif, qui sera dans 2 mois. J'en dis pas plus. Si je me dope pas d'objectif, je vais faire le fainéant. Alors je me suis donné un objectif. Voilà. Le circuit de retour est forcément plus facile que le circuit d'aller. Mais c'est bien parce que j'arrive encore à appuyer un peu.
et je veux dire que je me suis pas cramé en fait. J'ai eu du mal, hein, forcément. Mais je suis pas cramé. J'en ai encore un petit peu sous la pédale et ça c'est bon signe. C'est vraiment bon signe. Ça veut dire que les moments de récup ont été utiles. Ça veut dire que je me suis bien alimenté. Ça veut dire que j'ai bu correctement. Et ça veut dire que j'ai grimpé à mon rythme, sans forcer, sans faire trop monter le cardio. Ce qui fait que ben, on n'est pas cuit. Ça c'est très important dans vos entraînements parce que quand vous vous cramez, ben, vous mettez beaucoup plus de temps à récupérer. On dit que là, bon, je vais avoir mal aux jambes, c'est certain, mais la récupération va être correcte. Et ça, c'est très important. Voilà, là, sur un léger faux plat, je suis quand même à 29 à l'heure. Bon, j'ai vraiment le dos, mais je veux dire, ça va, quoi. Je suis pas cramé. Et ça, c'est super, c'est une grande satisfaction. Voilà, les amis, session terminée. Donc, je termine avec 52 km, 610 ou 622 des plus. En solo et face au vent, franchement c'est bien, je suis très content de moi. Je suis fier, ouais. Et ça fait du bien, j'ai réussi à pas me cramer, c'est ce que je voulais faire, c'est de pouvoir monter régulièrement sans être complètement HS au retour et puis pouvoir mettre un pied devant l'autre. Non, j'ai encore un peu de jus. Donc c'est bon signe, ça veut dire que l'entraînement se passe bien et que j'ai bien réussi mon coup. Là-dessus, ce que je voulais vous dire aussi, ah oui, je voulais vous remercier aussi de me suivre et pour vos abonnements, vos commentaires et tout ça, parce que tous vos encouragements, ça fait vraiment du bien et puis ça me donne du baume au cœur aussi. Et puis voilà quoi, vous venez un petit peu avec moi sur le vélo quand j'y vais, donc ça fait du bien. Là-dessus, n'oubliez pas le petit pouce bleu, enfin celui-là il est blanc, mais pouce bleu ou blanc, celui que tu veux, mais tu mets un pouce. T'oublies pas aussi le petit commentaire, hein, comme je viens de dire. Et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait. Hein. Si tu veux voir des belles vidéos, bah abonne-toi. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine, les gars. Ciao, ciao, tchuss!